Allah, 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 Allah. Partagez-moi la vidéo, partagez la vidéo. Aïe, partagez. Partagez la vidéo, invitez vos amis, mettez le pouce bleu. Taguez-moi tous les Ivoiriens, taguez-moi tous les Panafricains. Afrique de liberté, je vous salue. Je vous salue donc depuis vos différents bords, je vous salue depuis vos différentes positions. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Vous êtes sur la chaîne panafricaine, vous êtes sur la chaîne de Résistance Côte d'Ivoire 2020. Je suis tout simplement votre humble serviteur, Lamina Gbafé, sur cette plateforme panafricaine qui vous livre, qui vous donne des informations sur la Côte d'Ivoire et aussi partout en Afrique. Alors, partagez nos directs, likez nos directs, abonnez-vous massivement, mais surtout, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Si vous vous abonnez, activez rapidement, automatiquement la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement à cet instant T en Côte d'Ivoire? Chers peuple de Côte d'Ivoire, il faut dire que actuellement c'est chaud. C'est chaud en Côte d'Ivoire, en tout cas ça chauffe en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a un assassin, un sanguinaire. Il y a un dictateur qui se permet de tout faire sans même aviser le peuple de Côte d'Ivoire, sans même aviser en tout cas l'opposition, sans même aviser en tout cas qui que ce soit. Et ce gars se permet de prendre des décisions à la con, de décider à la place du peuple. Ouattara veut encore modifier notre constitution. Et c'est ce qui a poussé en tout cas les députés de l'opposition à réagir. Aujourd'hui, les députés disent que, en tout cas, ils ne sont pas prêts à ce que notre constitution soit encore touchée par Alassane Dramane Ouattara qui veut avoir les yeux et les oreilles au sein même de leur hémicycle. Dramane Ouattara, aujourd'hui, là, est pris la main dans le sac, une fois de plus. Ouattara est pris la main dans le sac. Qu'est-ce que Ouattara voulait faire? Qu'est-ce que Ouattara voulait se cacher pour faire avec notre constitution? Afrique de liberté, écoutons rapidement depuis la Côte d'Ivoire ces députés. Et tout à l'heure, on va apporter notre petit commentaire et aussi vous donner des informations liées à notre Afrique. Partagez la vidéo, prenez vos tabourets, écoutez attentivement cette vidéo. Depuis la Côte d'Ivoire, les députés sont très remontés, très mécontents contre Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire l'idée qu'il veut coûte imposer aux Ivoiriens encore une fois de plus. Cette idée qu'il veut faire accepter aux Ivoiriens ne passera pas. Et ça là, c'est ce qui est la vérité. Alassane Dramane Ouattara ne pourra plus jamais en tout cas changer quoi que ce soit dans notre pays. Parce que lui-même sait que c'est fini pour lui. Il est enfin le règne. Son règne là va bientôt finir. Et c'est bientôt la fin. Écoutez cette vidéo attentivement. Et à tout à l'heure pour notre commentaire suivi des informations liées à notre continent. On y va, écoutez attentivement cette vidéo. Les députés qui sont vraiment remontés, très 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 mécontents contre ce que veut faire Dramane Ouattara dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Allons-y maintenant, mettez le pouce bleu pour protéger la vidéo. Abonnez-vous, invitez vos amis et allez-y aussi vous abonner sur la page TikTok de Côte d'Ivoire 2020. Le lien est dans la description de cette vidéo. Cliquez sur le lien et allez-y vous abonner sur le nouveau compte Côte d'Ivoire 2020. Sur TikTok. Écoutons maintenant attentivement cette vidéo. Écoutez attentivement, chers Ivoiriens. Partagez, écoutez. On y va. Lorsque les questions importantes qui concernent la vie de la nation doivent être abordées au travers des modifications, des révisions des constitutions, le pouvoir actuel, je prends un malin plaisir à le mettre dans un procédé au concept qui ne respecte même pas les délais. Le dépôt des textes pour leurs études nous oblige à aller très rapidement, convaincus que le texte passionnait du fait de la majorité mécanique du RHDP à l'intérieur de l'Assemblée nationale. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Il s'agit d'une révision constitutionnelle à la voie législative. Et en cette matière, le droit est très clair. La Constitution nous dit, à l'article 177, que le projet de loi qui est déposé à l'Assemblée nationale suit la voie classique de l'article 109. Cela veut dire simplement que le projet est présenté à l'Assemblée, étudié en commission, validé en plénière. Il va maintenant au Sénat, où suit la commission, qui est validé en plénière, avant que les députés instruisent ainsi la substance du texte soit invité en congrès
pour décider de la prise en considération d'un tel projet de loi qui vaut révision constitutionnelle. Or, qu'est-ce que nous avons remarqué? Le pouvoir actuel a renversé complètement la procédure. Les députés ont été d'abord invités à aller voir, prendre en considération un texte dont ils ne connaissaient même pas la substance. La beauté, on va la faire remarquer. Or, une telle pratique ne peut pas se fonder sur une jurisprudence de 2020, qui est une décision unique. Donc, il ne peut pas valoir jurisprudence constante. Nous avons donc dit que la violation de l'article 177 était une violation de la Constitution. Deuxièmement, les deux sessions qu'on a données, c'est vrai, c'est une bonne chose par rapport au besoin d'harmoniser les vacances gouvernementales avec les vacances parlementaires. Mais nous observons qu'au bout du compte, la deuxième session ne s'ouvre pas sur une période de vacances pour les députés eux-mêmes. Nous avons demandé que cela soit amélioré. On ne l'a pas obtenu. Dans un autre point aussi, nous disons, mais vous fixez la durée du mandat parlementaire. Cette fixation de la durée du mandat parlementaire ne nous permet pas de comprendre à l'espèce aujourd'hui quelle est la durée de notre mandat qui a commencé en avril 2021 et qui devrait finir en réalité en mars 2026. En le réduisant, vous coupez complètement les démolements des députés. Or, les engagements bancaires ont été pris par les uns et les autres qui seront fragilisés du point de vue de leur patrimoine. La dernière question que nous avons abordée porte essentiellement sur le droit à amendement. C'est vrai que le président de la République a le droit de s'immiscer dans la procédure législative en prenant des ordonnances, en présentant des projets de loi. Mais il faut savoir que ce pouvoir qu'on donne au président procède d'un pouvoir dont est titulaire exclusivement le pouvoir législatif. C'est une tolérance pour faire en sorte que l'exécutif puisse fonctionner. Donc on ne peut pas dire que ce pouvoir d'initiative législative du président de la République est un pouvoir dérivé du pouvoir des députés. Non. De sorte que si le président de la République s'invite maintenant dans les amendements, il devient un député, un parlementaire de fait. Mais en réalité, pourquoi doit-on passer par l'octroi d'un droit à un amendement? Déjà, lorsque les ministres sont en difficulté devant les députés, ils passent par leur majorité parlementaire pour faire passer des amendements. Cela, vous le confessez, c'est un détournement d'une procédure. Mais c'est tolérable, c'est complètement tolérable. D'où vient-il que le président veut avoir à lui-même un pouvoir pour faire des amendements? On nous cite la France. La France est dans une procédure d'annulation de cette procédure. On nous cite le Sénégal. On sait ce que ce pouvoir d'amendement a fait au Sénégal par rapport aux questions, à la possibilité pour le président d'écarter tous ses adversaires politiques. Il faut savoir que celui qui est avec nous, avec qui nous compétitions, n'est pas quelqu'un qui fait des trucs au hasard. Donc l'opposition entière, a refusé de se mettre dans cette procédure dont nous ne connaissons pas réellement les motivations. Et nous ne voulons pas, au niveau de l'opposition, être complices d'arrière-pensées qui viendraient du pouvoir, du gouvernement, du RHDP, pour s'associer à des actes de cette nature. L'opposition a dit non, en bloc, qui c'est un nom définitif. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Frère, vous avez compris? Draman veut te donner le pouvoir d'être député. Ça veut dire qu'il va avoir le droit d'être député, de faire des amendements par rapport à des textes, frère, par rapport à des projets de loi, ou de faire des amendements par rapport à un certain nombre de lois qui sont derrière là. Frère, regarde. Donc, là, qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qu'il recherche? Draman, il veut faire à peu près comme Macky. Vous comprenez? Il veut faire à peu près comme Macky pour essayer d'éliminer tout le monde autour de lui. Parce que c'est grâce à ce pouvoir d'amendement-là qu'on a donné au président Macky, que Macky a utilisé pour mettre dans le code, électoral. Et si on te condamne, tu es quitté là, ou bien si tu as ceci, c'est ce qu'il a, il a utilisé pour éliminer, Ali Fassal, pour éliminer aussi l'autre là, et puis c'est ça, il est en train de tenter
d'éliminer Sonko. Donc là, Draman, il veut non seulement avoir le pouvoir judiciaire. Il a le pouvoir, d'ailleurs, il a le pouvoir judiciaire. Parce que, les, comment il s'appelle là? Les Adou Richard, ça c'est des laquais de Draman. Donc lui, il a déjà le pouvoir judiciaire. Il a déjà le pouvoir, comment dirais-je, le pouvoir légitime, parce qu'il a une majorité, il a une majorité mécanique. Mais lui-même, Draman, il va avoir le pouvoir de faire des amendements aussi. Amendements, les députés font là. Lui, il va avoir le pouvoir de faire ça aussi. Lui, Draman. Donc, il veut qu'il y ait un député de plus. Il veut être un député de plus à sa majorité mécanique. Il veut être un député de plus à sa majorité mécanique. Mais qu'est-ce que Draman recherche en réalité? Qu'est-ce que Draman recherche en réalité? Draman est en train de chercher, frère, à aboutir, c'est-à-dire que, à la levée totale de la limite d'âge, de la limite de mandat, de la limitation de mandat à deux et s'éterniser au pouvoir. Et pendant ce temps, il va tout faire pour éliminer Babo et pour éliminer Bédié. Les gens pensent que c'est Babo seul qui veut éliminer. Non! S'il a pu éliminer Babo, il va tout faire pour éliminer Bédié. Parce que tout le monde le sait, si aujourd'hui, il élimine Babo, il n'a pas le pouvoir. Parce que si Babo, si Bédié dit, si le président Babo, même s'il était éliminé de tout du bois, parce que ça ne va jamais arriver, même si le président Babo était éliminé, demande au PPACI de voter pour PDCI, pour Bédié, il est mort. Donc il va tout faire pour éliminer Bédié, éliminer le président Babo. En dissolvant éventuellement le PDCI EDA. Voilà ses intentions. Donc, c'est pourquoi il veut se donner ce droit-là de faire des amendements. Pas de qui pouvait amendement, qui est qui? Non seulement, avant, quand le président Lombard venait au pouvoir en 2000, la constitution interdisait à un président de la République d'être président d'un parti politique. Le président Lombard était secrétaire général du FPI, il n'était plus président du PDCI. Mais Draman a levé ce dispositif de la constitution. Cette disposition de la Constitution, il l'a enlevée. Vous comprenez? Il a enlevé cette disposition de la Constitution et il est devenu président du parti, de son parti, et président de la République. Non, chef de l'État, braqueur étatique. Vous comprenez? Et à côté de ça, il est venu changer la Constitution, il est venu modifier la Constitution avec un référendum bidon, taillé sur mesure, et il est là. Et il a commencé à gueuler. Non, c'est le premier mandat de la troisième république. Vous comprenez? Donc là, il est en train de guetter encore à sauter la limitation du mandat et pour se donner une légitimité de demeurer au pouvoir. Alors, chers amis Afrique de Liberté, vous venez donc d'écouter le député donc depuis la Côte d'Ivoire. Et le frère Souleymane Gbagbo Kone. Donc, chers Ivoiriens, aujourd'hui, l'heure est très grave. Et oui, l'heure est très grave. On ne doit plus dormir. Aujourd'hui, là, avec le nom des députés, avec la position des députés par rapport à cette révision de la constitution de notre pays, mais malgré la décision des députés de l'opposition, mais Ouattara ne va pas s'arrêter. Et ça, là, ce n'est pas un débat. Parce que pour eux, les députés de l'opposition ne sont pas en majorité, ne sont pas majoritaires. Ouattara va coûte que coûte apporter cette révision à notre constitution. Ouattara va encore violer notre constitution. À l'instant, Draman Ouattara va le faire. Et ça, là, ce n'est pas un débat. Draman Ouattara va le faire tout simplement parce que ce gars est en train de se repositionner. Le frère Souleymane l'a dit, mais ça là, est-ce que vous qui me suivez véritablement sur cette plateforme, est-ce que ça là, ce que le frère a dit là, est-ce que c'est étranger? Est-ce que ce que le frère a dit par rapport à ce que Draman Ouattara est en train de vouloir se repositionner pour s'imposer encore en 2025, est-ce que ça là,
ça vous est étranger? Bah non, parce que j'ai toujours dit ici que moi, si ça ne tenait qu'à moi, si ça ne tenait qu'à moi, en Côte d'Ivoire, on ne devait même pas parler d'élection. Si ça ne tenait qu'à moi, en Côte d'Ivoire, on doit plutôt songer à libérer la Côte d'Ivoire, qui est sous l'emprise de Alassane Dramane Ouattara et ses complices, c'est-à-dire l'Occident, qui aujourd'hui a la totalité, presque la totalité, hein, le contrôle de notre Côte d'Ivoire. Il faudrait plutôt songer à libérer, à reprendre notre pays avant de parler d'élection, parce que les conditions ne sont pas réunies. On n'est pas dans, en tout cas, de bonnes conditions pour parler d'élection en Côte d'Ivoire. C'est trop tôt pour parler d'élection en Côte d'Ivoire. À chaque fois que nous allons aux élections, on ne fait qu'augmenter la puissance, on ne fait que légitimer. Une fois de plus, on ne fait que donner cette force à Alassane Dramane Ouattara de se foutre de plus en plus de la Côte d'Ivoire et aussi des Ivoiriens. Et ça, moi, je l'ai toujours dit ici. J'ai dit si ça n'était qu'à moi, en tout cas, les élections en Côte d'Ivoire, ça ne sera pas maintenant. En tout cas, tant que ce dictateur sera là, on ne devait même pas parler d'élection. Et ça, là, ce n'est pas un débat. Malgré la décision des députés, là, Ouattara ne va pas s'arrêter. Ouattara va continuer et Ouattara va aller changer cette constitution. Ouattara va le faire. Ouattara va le faire. Et ça, là, ce n'est pas un débat. Déjà, vous avez dit que Ouattara, c'est-à-dire, ils n'ont pas suivi la procédure normale. Ils ont tout renversé. Ils n'ont pas suivi la procédure normale par rapport à cette loi qui a été introduite. La loi a été introduite illégalement. Tout a été renversé, tout a été bousculé. Ils n'ont pas suivi la procédure normale. Et en tout cas, c'est allé très vite. C'est pour vous dire combien de fois Alassane Dramane Ouattara est déterminé, plus que jamais déterminé, à s'imposer à telle enseigne qui ne parle plus de 2025. Parce que déjà, avec tout ce que ce gars est en train de manigancer, pour lui, 2025 est un acquis. Il ne parle plus de ça. Et ça là, je vous interpelle depuis un bon moment là-dessus. Allez-y écouter Alassane Dramane Ouattara quand il s'exprime. Il ne parle plus de 2025. Ouattara actuellement là, est à l'horizon 2030, 2035, 2000, en tout cas, 2025 là, pour Ouattara, c'est un acquis. Et ça, depuis, je vous interpelle. Et aujourd'hui là, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui est en train de se préparer au sein même de la CEI, au sein, c'est-à-dire, tout ça là, ça doit vous interpeller. Et ça doit, en tout cas, vous amener à combattre ce gouvernement autrement. C'est le autrement là que nous attendons. Ça là, je vais toujours vous interpeller là-dessus, l'opposition de Côte d'Ivoire. Parce que vous savez tellement de choses, vous connaissez tellement de choses à propos de ce gouvernement, à propos de Dramane Ouattara. C'est-à-dire, vous savez la vérité. Vous connaissez les intentions de ce petit acteur. Vous savez ce que Ouattara veut faire. Mais pourquoi est-ce que vous ne faites rien pour l'empêcher dès maintenant? Pourquoi est-ce que vous ne faites rien actuellement? Pourquoi vous ne faites rien pour empêcher les intentions qu'a Ouattara pour 2025, pour 2030, pour 2035, pour 2040, jusqu'à ce que la mort l'appelle? Pourquoi est-ce que maintenant là, vous ne faites rien? Dans tous les pays là, quand ça ne va pas, on appelle les populations, les militants dehors pour revendiquer, pour manifester, pour dénoncer, pour dire, ah, en tout cas, vous qui êtes au pouvoir là, voilà, nous sommes mécontents parce que, voilà. Vous avez émis des revendications. Vous êtes parti sur la table de la négociation. Vous avez tout fait, tenté, c'est-à-dire, vous êtes allé sur le terrain pour trouver des solutions. Mais Ouattara n'a que fait de tout ça. Ouattara n'entend pas raison. Ouattara ne veut pas entendre raison. Ouattara ne fait qu'à sa tête. Ouattara ne pense qu'à sa personne. Dramane Ouattara ne pense qu'à sa petite personne. À telle enseigne qu'aujourd'hui là, il ne fait que rajouter, c'est-à-dire malgré qu'on sait maintenant qu'ils sont en faute.
malgré qu'on sait, le monde entier sait, la nation ivoirienne sait, que Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement là, ce sont des fraudeurs, ce sont des tricheurs. Mais qu'attendons-nous pour réagir? Qu'attendons-nous? Et malgré tout ça, Alassane Dramane Ouattara continue. C'est encore notre noyau qu'il a déjà bousillé depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Depuis qu'il a pris ce pouvoir de force. Depuis qu'il a pris la Côte d'Ivoire en otage, il ne fait que changer. Il ne fait que, en tout cas, apporter des modifications à n'en plus finir, à notre noyau. Qui es-tu, Alassane Dramane Ouattara? Youbiou. Alassane Dramane Ouattara, qui es-tu? Chers peuples de Côte d'Ivoire, chers opposants, bien sûr, vous dénoncez, bien sûr, vous parlez. Mais quand ça ne va pas là, quand ça ne va pas, en tout cas, on réagit. Quand on a utilisé tous les moyens et que l'adversaire en face ne veut pas entendre raison, mais il faut utiliser en tout cas les moyens qu'il faut pour que l'adversaire puisse comprendre qu'en face de lui, il y a aussi des garçons et non des femmelettes. Il faut en tout cas utiliser les moyens qu'il faut. Et ça, ce n'est pas un débat. Je vous ai toujours dit, Alassane Dramane Ouattara ne changera pas. Pour rien au monde, Dramane Ouattara ne changera pas sa position. Et Dramane Ouattara va vouloir en tout cas s'imposer jusqu'à ce que la mort l'appelle. Jusqu'à ce que la mort l'interpelle. Alassane Dramane Ouattara, je vous dis, je vous le redis aujourd'hui, ne lâchera pas facilement en tout cas ce pouvoir qu'il a brigandé. Et ça là, si les Ivoiriens, si l'opposition, si la Côte d'Ivoire, en tout cas si nous, on ne se lève pas, ça va continuer ainsi, ainsi de suite. Et rien ne changera en Côte d'Ivoire. Au contraire, la Côte d'Ivoire va aller de mal en pis jusqu'à ce que le projet diabolique voit le jour. Jusqu'à ce que le projet diabolique, qui est tout simplement de vider la Côte d'Ivoire de toutes ses substances, faire de la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire des étrangers. Aujourd'hui, là, voici des Libanais qui ont des cartes d'identité nationale, alors que des Ivoiriens purs, les Ivoiriens lambda, beaucoup se plaignent qui n'ont pas encore reçu les cartes. C'est ça la Côte d'Ivoire. Ainsi va notre pays, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, si on ne se lève pas, si on ne fait rien, rien ne va changer. Rien ne va changer. Dans tous les pays, on manifeste, on revendique, on dénonce, on critique. Dans tous les pays, en tout cas, il y a ce qu'on appelle la liberté au moins d'expression. Même si quand ils sortent, comme l'a été le cas du Sénégal, il y a eu des massacres, mais au moins, on manifeste. On n'a qu'à oublier cette peur. On n'a qu'à penser à notre pays, la Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas qu'on pense à aujourd'hui, mais pensons à demain. Si aujourd'hui, là, c'est difficile, si aujourd'hui, c'est très difficile, c'est très dur, et demain, comment est-ce que sera demain? Si on ne se lève pas, si on ne se lève pas pour faire face à Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, demain là, ça sera trop tard. Et demain, nous risquons de perdre notre pays. Et si on perd la Côte d'Ivoire, ça n'est fini des Ivoiriens. Nous, on n'a que la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a qu'un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. Alors, chers Ivoiriens, n'écoutons pas, en tout cas, ces politiques qui veulent coûte que coûte, pour les sales intérêts, qui ne pensent même pas à demain. Vous pensez qu'avec les postes que vous voulez avoir, vous pensez qu'avec ces postes que vous voulez avoir, si la Côte d'Ivoire tombe, vous allez résister, vous allez rester, vous allez en tout cas être là pour profiter de cette richesse que vous voulez amasser à travers ces postes à la con pour lesquels vous voulez aller coûte que coûte aux élections. Alors que lui, hier, dans l'opposition, a refusé catégoriquement
Dramane Ouattara a refusé d'aller aux élections parce que en ce temps, il avait émis des revendications. Et ça a été respecté, ça a été suivi à la lettre avant que Ouattara, en tout cas, aille aux élections. Mais vous, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas, en tout cas, vous abstenir? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas boycotter, vous ne voulez pas dire la vérité à Alassane Dramane Ouattara maintenant? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui vous empêche maintenant de faire sortir vos militants? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez décidé de mener un combat. Vous avez décidé de porter ce lourd fardeau. Ce n'est pas facile, nous le savons. Mais quand on fait un choix, il faudrait l'assumer. Quand on fait un choix, il faut assumer ce choix. Et c'est ce que nous vous demandions. Ce choix que vous avez fait de vous battre pour le peuple de Côte d'Ivoire, mais battez-vous pour l'intérêt général, battez-vous pour l'intérêt, en tout cas, du peuple de Côte d'Ivoire. Ne vous battez pas comme ça pour vos intérêts. Aujourd'hui, là, vous savez, vous connaissez ce que les Ivoiriens veulent. La majorité des Ivoiriens aujourd'hui en Côte d'Ivoire et partout en Afrique, dans le monde, ne veulent plus voir Alassane Dramane Ouattara et ces moutons-là à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ça là, c'est ça qui est la vérité. Ouattara n'a pas été élu démocratiquement. Vous le savez. Alors, un gars comme ça, est-ce qu'on part aux élections avec lui? Bah non. On ne va pas aux élections avec lui pour encore lui donner la force. Pour encore légitimer ce pouvoir illégal. Ouattara est illégal. Et quand quelqu'un est illégal, vous savez ce que, en tout cas, on doit prendre comme responsabilité. Vous savez quoi faire pour redonner la tranquillité, la paix, en tout cas pour remettre la joie dans le cœur des Ivoiriens. Parce que quand on a eu à interviewer les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, mais 8 Ivoiriens sur 10, on dit comme ça, on t'a avoué clairement que le jour Alassane Dramane Ouattara ne sera plus là, ils seront prêts, en tout cas, à aller payer, à aller s'endetter pour payer, en tout cas, ce qu'il faut payer pour une fête qui ne dira jamais son nom, parce que ça sera une très grande fête en Côte d'Ivoire, parce que c'est leur prière. Les Ivoiriens sont tellement fatigués. Les Ivoiriens sont tellement, c'est-à-dire, ils ne savent plus quoi faire. Maintenant, ils appellent la mort pour que la mort vienne chercher Ouattara. Mais ce n'est pas comme ça. Parce que chacun de nous, un jour, il passera. Donc, on ne peut se réjouir de la mort, en tout cas de quelqu'un. Même à ton pire ennemi, vous savez très bien qu'on ne peut souhaiter la mort. Parce que la mort reste la mort. Voilà, en Afrique, vous savez, vous connaissez en tout cas nos différentes traditions. Alors, moi je suis contre cette idée en tout cas d'appeler la mort sur Alassane Dramane Ouattara. Parce que chacun de nous a son jour. Et le jour, Dieu décidera, en tout cas, on partira, on ira tranquillement. Mais pour le moment, ce qu'on doit faire, il faut se mettre ensemble, il faut se réunir, il faut en tout cas s'organiser pour faire face, affronter Alassane Dramane Ouattara. Pour attraper, pour aller chercher Ouattara en tout cas, pour le faire sauter. Il faut que Ouattara tombe. Et ça là, c'est ça qui est la vérité. Voilà. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ça a été un plaisir pour moi. Encore une fois de plus, en ce samedi 22 juillet 2023, c'est le week-end. J'espère que ça se passe très bien. Prenez soin de vous, partagez nos directs, abonnez-vous massivement. Allez-y vous abonner sur le nouveau compte TikTok Côte d'Ivoire 2020. Dans la description de cette vidéo, il y a un lien. Cliquez sur le lien. Ça va vous rediriger directement sur le compte TikTok. Le nom là-bas, c'est Afrique des Libertés. Abonnez-vous massivement pour qu'on puisse commencer le direct. On doit atteindre les 1000 abonnés dans ces jours-ci. Il faut rapidement créer vos comptes si vous n'avez pas de compte TikTok. Et allez-y vous abonner sur le nouveau compte TikTok Côte d'Ivoire 2020. Je vous prie pour qu'on puisse commencer enfin le direct. Alors, votre humble serviteur, l'amiral Bafé, a été en tout cas très très ravi ce samedi, ce week-end d'être en votre compagnie. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, qu'Allah vous garde et à ce soir pour un autre direct. Vive le combat, vive le panafricanisme, à bas la France-Afrique. Bientôt il fera jour en Afrique et bientôt l'Afrique en tout cas va reprendre sa vraie place. Et ça là, c'est ça qui est la vérité.
On est ensemble et à ce soir.